s'ajoute la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les efforts de développement négativement impactés par les attaques terroristes. Pour le chef de l'État burkinabé, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, il convient d'œuvrer à la mise en place d'un partenariat international. Décryptons ensemble cette adresse de Rochemar Christian Kabore à la tribune de l'ONU avec Beleman Herman Nestor Toé. Du haut de la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations unies, Rochemar Christian Kabore interpelle sur la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. De la genèse des attaques terroristes au Burkina à ses conséquences socio-économiques au plan national et sous-régional, le président du G5 Sahel rappelle à la communauté internationale de la nécessité de soutenir les pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Je lance un appel pour un mandat plus robuste et plus offensif en faveur de la MINUSMA. Un tel mandat devrait permettre de sécuriser et de stabiliser davantage le Mali et partant tous les autres pays du G5 Sahel. Je renouvelle mon appel à la solidarité bilatérale et internationale afin de doter la force conjointe du G5 Sahel d'équipements et de ressources financières prévisibles et pérennes, indispensables à son bon fonctionnement afin de favoriser la réalisation de nos programmes de développement nationaux et régionaux à travers le programme d'investissement prioritaire. Sur la question du développement et de la lutte contre la pauvreté, Rochemar Christian Kabore appelle les Nations Unies à plus d'efforts, conditions sine qua non d'un développement durable et inclusif. En ce qui concerne la pauvreté, son élimination reste l'objectif premier des ODD, car selon les Nations Unies, des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si cette tendance n'est pas inversée, plus de 168 millions d'enfants vivront dans l'extrême pauvreté. Parlant de la gouvernance démocratique, le président du Faso rassure les Nations Unies des efforts de son pays. La consolidation de la reprise économique, la lutte contre le chômage, l'autonomisation des jeunes et des femmes, les initiatives en faveur des personnes vulnérables et la promotion de la bonne gouvernance sont au centre de notre action. Autre sujet majeur abordé par le président du Faso, la question du changement climatique, Rochemar Christian Kabore salue les efforts des pays du Sahel à travers le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel. Son gouvernement également s'est inscrit dans cette dynamique. Mon gouvernement a pris d'importantes initiatives, dont un plan quinquennal de réforestation, une loi pour réduire les effets des catastrophes et des crises humanitaires et un plan national 2016-2020 pour la réduction des risques et la préparation à la réponse aux urgences. Pour la paix en Afrique, le président du Faso estime que la solution pourrait se trouver dans la résolution de la crise en Libye. Rochemar Christian Kabore réitère le soutien du Burkina à la Palestine, sans oublier Cuba, qui subit toujours le blocus imposé par les États-Unis. Le président Kabore reste convaincu que le multilatéralisme est la seule voie pour trouver les solutions aux problèmes actuels du monde. Retour au Burkina Faso pour parler développement de l'agriculture avec la Banque mondiale qui accorde 100 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé en guise de prêt pour le financement du projet de résilience et de compétitivité agricole. Un projet qui devrait permettre la mise en valeur de plus de 5000 hectares de périmètre et le financement de plus de 2000 sous-projets dans le domaine de l'agriculture. Le ministre en charge donc de l'économie des finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso signent l'accord de financement ce 24 septembre à Ouagadougou en présence de Salifou Belem et Sanoua Christine Koulibaly. Je suis très heureux parce que c'est le plus grand financement que le ministère de l'Agriculture n'a jamais eu. 130 milliards de francs CFA pour changer le visage de l'agriculture burkinabé. Une première également pour la Banque mondiale qui consent 100 milliards de francs CFA pour le financement du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA. Un projet qui devrait permettre d'accroître la production tout en favorisant l'accès des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises au marché. Il y a 2445 micro-projets qui seront réalisés. Au-delà de ces micro-projets, il y a près de 5400 hectares de terres
qui seront aménagés, dont 4400 pour l'irrigation par la maîtrise totale de l'eau afin de booster la production, et 1000 hectares pour l'arboriculture fruitière. La signature de l'accord de financement précède la revue des projets et programmes de la Banque mondiale au Burkina. Une occasion de vérifier l'adéquation de ces projets et programmes avec les défis de l'heure. Nous remercions le gouvernement de donner cette opportunité de pouvoir nous asseoir ensemble et revoir l'exécution de nos projets, mais aussi voir comment nous pouvons, lorsque le besoin s'en fait sortir, ou si les circonstances le permettent, revoir ces projets et nous assurer que nous sommes parfaitement en cohérence, non seulement avec les priorités du gouvernement, mais aussi la situation sécuritaire et la situation économique du Burkina Faso. Et c'est une trentaine de projets et programmes qui vont passer à la loupe de ces experts de la Banque mondiale et des membres du gouvernement. Et sur le terrain de la promotion du développement, voici 98 nouveaux agents de développement rural qui entrent en scène et dont les compétences devraient permettre de booster davantage la production agricole notamment. C'est la QV 2019 de l'Institut de formation et de développement rural situé à Bagrépol. L'IFODER compte à ce jour plus de 400 ADR sur le terrain du développement rural. La troisième promotion de l'Institut effectue sa sortie officielle ce 24 septembre. Nous la découvrons avec Moussa Ouedraogo et Caroline Ouari. C'est la journée la plus attendue de tous sur ce site de l'Institut de formation en développement rural. Après 2 années d'apprentissage au métier de la production rurale, 98 agents du développement rural prêts à l'emploi sont célébrés. Ils maîtrisent les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de la sylviculture et de l'apiculture. Une formation pluridisciplinaire attendue comme fertilisant de la production agricole au Burkina. Nous sommes satisfaits. Et je crois que ce que vous venez de voir comme équipement nous galvanise parce que cela va nous permettre de renforcer la qualité de la formation et surtout d'aller vers la formation pratique. Et c'est des équipements didactiques de production agricole et de transformation. Donc nos apprenants auront la chance d'attaquer donc les maillons de la chaîne de valeur, tous les maillons importants que sont la production et la transformation. On ne peut pas parler de production sans avoir des employés qui ont des capacités professionnelles pour que nous puissions vraiment renforcer, augmenter nos productions. Et c'est tout cela qui nous a animés à accepter vraiment ce parrainage. Et nous sommes engagés à accompagner l'institution afin que nous puissions avoir le maximum de jeunes aujourd'hui qui seront mis à la disposition surtout des producteurs en milieu rural. Et également voir dans toute la chaîne de valeur comment on peut travailler à valoriser toutes les productions qui vont sortir de ces centres de production. Partis sur les traces de devanciers inspirants, les nouveaux sortants savent déjà que ces domaines visés payent au-delà de la passion qui les guide. Ce jour est un jour vraiment très béni pour moi parce que c'est l'entrepreneuriat qui commence pour moi. Beaucoup de gens s'adonnent à des mentalités qui ne sont pas totalement ça. Beaucoup de gens veulent entrer dans la fonction publique. Et pourtant la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Compte tenu de la pression démographique. Donc, j'invite tout le monde, tous les jeunes de mon âge, à entreprendre, surtout dans l'entrepreneuriat agricole et avicole. L'Institut du développement rural compte ainsi sa troisième promotion avec un total de 407 agents, dont 62 filles. La prochaine sortie de promotion est attendue dans 2 ans, soit en septembre 2021. En attendant, ces nouveaux agents, munis de leur certificat d'aptitude professionnelle en développement rural, n'auront pas fort à faire pour intégrer le milieu de l'emploi. À peine sortis, certains se voient pris d'assaut par des promoteurs d'entreprises. Des contrats d'embauche sont signés sur place. Et pour relever le défi de l'industrialisation au Burkina Faso, voici de la main-d'œuvre compétente prête à investir le terrain. Les toutes premières promotions du Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso, elles sont 2 promotions qui sortent de grandes filières, à savoir le génie électrique, le génie mécanique et la maintenance industrielle. Les autorités encourage les nouveaux ingénieurs à l'auto-emploi. Suivons la sortie de promotion avec Karim Sissé. Une cérémonie pour magnifier le travail des 2 premières promotions du CFPIB
le centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso. Des promotions qui ont chacune obtenu un taux de succès de plus de 98% aux examens nationaux organisés par le secrétariat permanent de la Commission nationale de certification. Bon, je suis capable de créer des sites web parce que j'ai été un étudiant en informatique. Je suis capable de créer un site web, de créer des applications, administrer un réseau et système. Désormais nanti du brevet professionnel de technicien et du brevet professionnel de technicien spécialisé, ces lauréats au nombre de 213 sont aptes à servir dans les domaines de l'industrie. Ils sont, selon leurs formateurs, capables entre autres de réaliser des applications, d'assurer la maintenance des équipements informatiques, d'installer et de maintenir le système photovoltaïque, de fabriquer des pièces mécaniques simples et complexes. On privilégie la pratique du métier. 70% du temps de formation est consacré à la pratique, à l'utilisation des outils, des machines. Et on ne fait que de la théorie qui puisse appuyer pour maîtriser la pratique pour laquelle on veut vous donner une compétence. Quand on sort, on est tout de suite. On finit notre centre, on est tout de suite opérationnel. On ne va pas pour apprendre encore, on va pour exécuter. Le souhait du ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est de voir ses lauréats créer leurs entreprises et surtout d'embaucher d'autres jeunes. C'est une fierté et une joie de pouvoir venir présider une telle cérémonie qui va permettre à plus de 200 jeunes d'aller donc sur le marché de l'emploi munis d'une compétence qui pourrait les permettre d'être effectivement acceptés au niveau donc du marché de l'emploi. Les meilleurs apprenants ont reçu des kits d'installation et des plaques solaires. Partenaire au développement du Burkina Faso, la Banque Ouest-Africaine de Développement tient depuis ce matin à Ouagadougou son conseil d'administration. La réunion consiste en un bilan trimestriel des activités de la BOAD en vue de répondre à l'impérieuse nécessité de modernisation et d'intensification des infrastructures routières pour mieux relever les défis de développement dans la sous-région. Roger Kam, Jérôme Tendano. Les administrateurs de la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD se concertent dans la capitale burkinabé. 114e du genre, le rendez-vous de Ouagadougou donne l'occasion de passer en revue les opérations du premier semestre de l'année en cours. Au terme du premier semestre de cette année 2019, 39 opérations ont été approuvées par notre conseil pour un montant total de 378,4 milliards de francs CFA, portant ainsi le niveau global de nos engagements en faveur des États et du secteur privé de l'Union à un montant de 5 689,3 milliards de francs CFA pour 1188 opérations. Le conseil d'administration se félicite de l'atteinte de tels niveaux d'engagement au bénéfice des populations de sa zone d'intervention. Pour autant, le contexte actuel nécessite que la BOAD procède à une réadaptation de son intervention. Dans un contexte sécuritaire particulier pour un certain nombre de nos États membres, nous devons répondre à l'impérieuse nécessité de modernisation et de densification des infrastructures routières, de l'accès aux logements abordables pour le plus grand nombre, de la mise en place de dispositifs pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, de la sécurisation des productions et des revenus des agriculteurs, de l'assainissement des zones urbaines, de l'inclusion financière des populations, de la digitalisation des administrations publiques, pour ne citer que ces chantiers. Autant d'attentes regroupées en 8 points qui font l'objet de discussions au cours de cette session du conseil d'administration. L'objectif pour la BOAD, c'est d'impacter positivement le quotidien des populations de sa zone d'intervention. Convergence macroéconomique au sein de l'UEMOA, état des lieux et perspectives, c'est le thème d'une rencontre initiée par le département des économies et de la fiscalité intérieure de l'UEMOA et à laquelle sont conviés les journalistes. Objectif, faire le point des politiques macroéconomiques dans chaque pays membre en vue de leur réorientation dans le sens de la convergence et évoquer les perspectives de croissance dans l'espace de l'Union. On fait le point avec Souleymane Sanou et Nathalie Savadougou. Plus de 6%, c'est le taux de croissance de l'activité économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de l'année 2018. C'est l'un des principaux résultats macroéconomiques qui ressort du rapport de la surveillance multilatérale de juin 2019. Depuis 2012, l'UEMOA est
sur une trajectoire de croissance appréciable. Nous faisons depuis 2012 plus de 6% de croissance et nous atteindrons en 2019 6,7%. C'est les taux de croissance les plus élevés en Afrique. Convergence macroéconomique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, état des lieux et perspectives, c'est le thème de la rencontre. Pour le commissaire, il faut réorienter les politiques économiques pour des croissances fortes. Il s'agira de la réorienter dans les secteurs porteurs, tels que l'agriculture, qui occupe la plus grande majorité de la population. De faire en sorte également que l'économie soit plus diversifiée, qu'on transforme le maximum de nos productions agricoles sur place. Les critères de convergence sont des indicateurs de performance permettant d'apprécier le degré de réalisation des objectifs de convergence. Les objectifs de l'Union sont, entre autres, renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres, assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale. Et le Festival international de la liberté d'expression et de presse 2019 qui ouvre ses portes à Ouagadougou pour 3 jours d'activité. Le 8e, FILEP, sur fond d'une Afrique unie, va réunir cette année plus de 150 festivaliers venus de toute l'Afrique. Des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie. C'est le thème de ce FILEP dont le coup d'envoi est donné ce matin par le président de l'Assemblée nationale en présence de Roger Bembamba et Amandine Lalsaga. C'est parti pour la 8e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Le président de l'Assemblée nationale burkinabé donne ici le coup d'envoi des 4 jours d'activité consacrés à la promotion de la liberté d'expression. Le développement des nouveaux médias a entraîné une prolifération des fake news, des rumeurs, du voyeurisme, de la désinformation et de la propagande. Certaines publications sont de nature à porter atteinte à des droits fondamentaux des personnes. Alors, si nous nous accordons sur ces constats et non sur la solution qui a fait l'objet de légiférations, alors j'attends impatiemment vos contre-propositions écrites. Alassane Bala Sakandé revient sur le code pénal adopté par la représentation nationale et considéré par certains défenseurs de la liberté d'expression comme un frein à la liberté de la presse. Je félicite le Centre national de presse Norbert Zongo pour sa constance dans l'organisation de cet événement qui, au fil des éditions, est devenu l'un des plus grands espaces panafricains de réflexion et de proposition sur la contribution des médias à la construction d'une Afrique de liberté, de progrès et de démocratie, mais aussi, surtout, de fraternité entre les peuples. Le FILEP édition 2019, c'est plus de 150 festivaliers africains. Les participants vont réfléchir sur la contribution des médias à l'unité africaine. Nous sommes inondés par les médias internationaux, qui sont parfois beaucoup plus écoutés, beaucoup plus suivis que les médias nationaux. Nous devons réfléchir à quelles alternatives nous pouvons apporter à ça. C'est une question de production de contenu et nous avons les capacités, nous avons les ressources humaines pour pouvoir y arriver. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir le faire. La 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse se tient du 25 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou. Au cours de la cérémonie d'ouverture, hommage a été rendu au dévancier Maurice Chabi et Virus Dabiré, deux acteurs majeurs du FILEP disparus entre deux festivals. Le Congrès pour la démocratie et le progrès qui rencontre de son dernier congrès extraordinaire à la presse. Un congrès qui a procédé à l'exclusion et à la suspension de plusieurs cadres de l'ex-parti au pouvoir. Les responsables du CDP donnent les raisons de ces décisions qui, selon eux, sont des sanctions dans le but d'instaurer plus de rigueur et de discipline au sein du parti. Sur la conférence de presse, nous suivons le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Nyarki Teda. C'est que les hommes passent, mais le parti doit demeurer. Par cette mise au point, le premier vice-président du CDP s'est voulu homme le plus clair.
Achille Tapsoba revient de long à large sur les différentes péripéties ayant abouti à la sanction de leurs camarades du parti lors du congrès extraordinaire du week-end écoulé. Une première assignation en justice en juin dernier avec à la clé le report du congrès extraordinaire, puis quatre autres, dont trois en référé dans ce mois de septembre, c'en est de trop pour l'orateur qui crie à la liquidation de son parti. Et je n'avais pour preuve que les termes de l'assignation. Il s'agissait pour eux d'obtenir du juge qu'il prononce la suspension du bureau exécutif national, qu'il prononce la suspension du bureau politique national, qu'il prononce la suspension du conseil national, qu'il prononce la suspension du congrès et de tout congrès jusqu'à ce qu'ils appellent la régularité des actes. Tentative de blocage et de déstabilisation du parti, les faits sont suffisamment graves aux yeux de l'ex-parti au pouvoir. Et la sentence est sans appel. Au regard de la gravité des actes d'indiscipline que ces militants ont posé, que les militantes et militants du parti, venus de 45 provinces et réunis en congrès extraordinaire le dimanche 22 septembre passé, ont décidé de prononcer des sanctions allant de l'exclusion à la suspension et dont un cas particulier d'avertissement à l'encontre des camarades au regard de leur qualité au sein du parti et de la gravité de la faute commise. Quand on a un membre gangréné, il faut avoir le courage de s'en séparer. Sinon, c'est tout le corps qui est menacé. Cette nouvelle donne au CDP, le bureau exécutif est conscient de cela, martèle le confidencier pour qui le congrès extraordinaire donne toute la légitimité et la légalité à son parti d'aller de l'avant pour les futures batailles électorales. Mahamadi Kouanda, membre du bureau politique national du CDP, fait partie des exclus du Congrès pour la démocratie et le progrès. Réagissant à la décision, M. Kouanda se dit toujours membre du parti et entend le prouver. Adama Koulibaly. Monsieur le parti, vous voyez que l'Assemblée générale, c'est pas un congrès, c'est une Assemblée générale. Un congrès, on convoque tout le monde. Voilà, M. Wadabou, t'as dit en convocation. Voilà, t'es pas ici. Et le secrétaire national, chargé des sports et de la culture. T'es pas ici. Tous ceux qui sont dans les groupes, dans les courants Kouanda, n'ont pas reçu la convocation. Je suis toujours secrétaire national, cofondateur de CTP, secrétaire national de CDP. Il y a ma carte ici. Voilà. Secrétaire national chargé des questions religieuse et coutumière. C'est un cordon ordinaire qui m'a élu. Il faut le cordon ordinaire de 2021 qui va me remercier. Sans Eddy. Parce qu'Eddy ne s'est appuyé de ce parti-là. Parce que vous êtes au courant que la justice n'est pas de un tort. La justice, la présidente du tribunal ce jour-là a dit à 13h30 qu'elle a autorisé le tenue du congrès. Comment on peut avoir raison à 13h30 samedi? Et à 13h30, exclu du parti, dimanche. Mettez-vous, vous n'avez pas de sérieux. Et puis, autre actualité, le gouvernement burkinabé qui joue la carte de l'anticipation dans l'organisation de la fête nationale à Bamfora en 2020. Le ministre en charge de l'administration territoriale donne le coup d'envoi des activités pour la célébration du 11 décembre dans la cité du paysan noir et cela à l'issue d'une visite de terrain dans la région des Cascades. Jérôme Tendano nous précise l'ambiance au lancement des travaux. Vous pouvez venir prendre donc des informations à Gawa. Pour essayer votre jeu. Alors, il m'a dit de vous dire de bien écouter. Voilà, parce que si vous venez de quelque part où vous avez ingurgité quelque chose, moi je ne vais pas dire de quoi il s'agit. Siméon Saodgo lance ainsi les activités du 11 décembre 2020 à Bamfora. Comme un seul homme, les filles et fils de la région des Cascades sont réunis ici autour du ministre d'État pour traduire leur reconnaissance au gouvernement, mais surtout afficher leur détermination à réussir l'organisation de la célébration de la fête nationale dans la cité du paysan noir.
La région des Cascades, à travers cette grande mobilisation, confirme qu'elle est bien consciente de l'enjeu qui se présente à elle et qu'elle est déterminée à relever le défi de l'organisation de cette importante manifestation. Au nom de la population de la région des Cascades, je souhaite encore et toujours votre soutien et votre disponibilité pour nous permettre de réussir le pari de l'organisation du 11 décembre 2020. Les festivités du 11 décembre sont un tremplin pour booster l'économie locale. C'est aussi un cadre de promotion du vivre ensemble, selon le ministre d'État, Siméon Saodgo. Vu l'adhésion, vu la ferveur que j'ai sentie dans la salle, je suis convaincu, comme d'habitude, que cette région composée de vaillantes femmes, de vaillants hommes, vont réussir cette mission-là de faire en sorte que la fête soit belle à Banfora et dans les autres villes de la région des Cascades. Plusieurs acquis, dont le budget, les sites de construction de certains bâtiments sont déjà effectifs, selon le secrétaire permanent du 11 décembre. Des mesures anticipatrices pour donner plus de chances de réussite à la célébration de la fête de l'indépendance à Banfora en 2020. Un nouveau commandant s'installe à la tête du 34e régiment interarmes de Fadan Gourmand. Le chef d'escadron, Serge Thierry Kiendrebego, prend les commandes en lieu et place du colonel Adama Ouedraogo. Le nouveau chef de corps, appelé à poursuivre la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, dit vouloir compter sur le soutien de l'ensemble des forces de défense et de sécurité et sur la collaboration effective des populations dans ces missions. Nous suivons la cérémonie de passation de commandement avec Justin Tiendrebego et Aruna Mari. Portez à présenter à le 34e RIA, le régiment interarmes de FADA, passe sous le commandement du chef d'escadron Serge Thierry Kiendrebego. Il reçoit symboliquement ses nouvelles charges des mains du colonel Moussa Diallo, le commandant de la 3e région militaire. Reçu du commandement militaire, la mission du nouveau chef de corps est claire: vaincre le terrorisme rampant dans la région de l'Est. Le 34e RIA est un bras armé de la 3e région militaire. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la région de l'Est, nous allons mettre à profit toutes les capacités de ce corps-là pour venir à bout de nos ennemis. Le chef d'escadron Serge Thierry Kiendrebego est un expert du renseignement militaire. De nombreuses fonctions jalonnent le parcours du soldat. Commandant de la compagnie de commandement et de soutien et chef du bureau information militaire au sein du bataillon Badenia 2, le nouveau chef de corps a été commandant d'unité au sein du bataillon Lafitte 1 déployé au Mali. Les priorités immédiates, c'est remobiliser l'ensemble des forces et la population pour faire face à la menace à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques mois, quelques années. Aucune armée n'a vaincu seule le terrorisme. Cette guerre ne peut être gagnée qu'à l'intérieur de la population. Plus de collaboration, plus d'engagement à nos côtés et plus de soutien. Une somme d'expérience sur laquelle compte s'appuyer Serge Thierry Kiendrebego, de concert avec les autres forces déjà engagées pour poursuivre la défense du territoire et entretenir la flamme de l'espoir après l'opération Otapuano. Et puis cette question, quelle vision de la cohésion sociale au Burkina Faso d'ici à l'horizon 2023? La réponse à la question viendra de l'atelier technique national d'élaboration de la vision et une définition consensuelle de la cohésion sociale qui réunit les acteurs du domaine à Zignaré. Reportage Beleman Herman Nestor Toui. Un atelier de réflexion pour harmoniser la vision des acteurs sur la cohésion sociale au Burkina Faso. Des acteurs étatiques et non étatiques interviennent sur le terrain pour prêcher le vivre ensemble. Malheureusement, ne parlent pas le même langage, d'où ce cadre de concertation. Aujourd'hui, tout le monde parle cohésion sociale. Donc, il faut que nous puissions en tout cas nous accorder sur ce qu'on va passer comme message dans le domaine de la cohésion sociale. Donc, au sortir de cet atelier, en tout cas, nous pourrons maintenant dire que à partir de maintenant, chaque acteur qui va aller sur le terrain, voilà le message qu'il aura à passer à travers, en tout cas, ses actions.
Cet atelier sonne la mobilisation des acteurs politiques, de la société civile, des leaders coutumiers et religieux à fédérer leurs efforts autour du département en charge de la cohésion sociale pour plus de résultats. Faire en sorte que ceux qui sont les moins nantis puissent bénéficier de la solidarité des plus nantis. Comment faire en sorte que les gens puissent vivre en bonne intelligence en considérant que en chaque individu, il y a une part de Dieu. Si vous êtes un acteur de la société civile ou bien vous êtes un homme politique, vous devrez travailler à faire en sorte qu'il y ait le plus d'atomes crochus. À l'issue de ces trois jours de réflexion, une feuille de route devra être mise à la disposition de chaque acteur assortie des recommandations. Elle devra permettre également de mieux encadrer le dialogue en matière de cohésion sociale au Burkina Faso. Et pour le bien-être des enfants, l'UNICEF lance une campagne de plaidoyer auprès des chefs coutumiers réunis à Ouagadougou autour de l'Arlenaba Tigré. Les leaders coutumiers sont appelés à revisiter ensemble les pratiques culturelles sur le mariage des enfants, la défécation à l'air libre et la malnutrition. Leur contribution est attendue pour faire bouger les lignes vers l'atteinte de la tolérance zéro dans les trois domaines. Reportage Jean Zongo, Zalissa Sanfo. Ces chefs traditionnels et coutumiers revisitent ici les pratiques ancestrales sur la nutrition, le mariage d'enfants et la défécation à l'air libre. Un retour aux sources pour observer de plus près toutes les pratiques sur ces domaines et en soustraire celles qui sont peu commodes. Je prends un exemple aussi simple. Dans le plateau central, il est dit par exemple de ne pas donner un œuf à manger à l'enfant. Pendant ce temps, le nutritionniste dit non, il faut donner l'œuf à l'enfant parce que c'est là où se trouvent les nutriments. Donc ça veut dire que ce qui avait prévalu à son temps pour qu'on dise de ne pas donner l'œuf à l'enfant, aujourd'hui ne tient pas. Mais il faut que le chef traditionnel et coutumier s'approprie ça, que ça rentre donc dans l'habitude de la famille. C'est un exemple simple que donc j'ai pris comme ça, mais il y en a d'autres. Et tous les exemples seront listés et questionnés ici, mais pas seulement. L'initiateur de cette rencontre des têtes couronnées souhaite aussi des engagements forts. Je pense que les chefs constituent un pont de passage de la tradition à la modernité. Le changement est possible dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, c'est le vœu aussi de l'UNICEF qui trouve en cela les clés pour le plein épanouissement des enfants. On a sélectionné trois domaines dans lesquels il y a une forte composante de changement de comportement. Et on sait que souvent les comportements sont enracinés dans des traditions, des croyances, l'ignorance quelquefois. Et donc on s'est dit que les chefs traditionnels, s'ils comprenaient bien ces trois problématiques, s'ils comprenaient pourquoi ce n'est pas bon pour les enfants, ils nous aideraient à faire évoluer le comportement des gens. Ils sont une centaine de chefs coutumiers et traditionnels venus de toutes les régions du Burkina Faso. Cette rencontre va durer 2 jours et elle se soldera par un mémorandum pour la tolérance zéro contre le mariage d'enfants, tolérance zéro pour la malnutrition et zéro défécation aussi à l'air libre. Des femmes formées à l'utilisation de l'huile du jatropha en milieu rural. Une meilleure connaissance sur l'utilisation de ce produit pourrait contribuer à améliorer la transformation des produits à base de cette huile, notamment le savon. Une trentaine de groupements féminins bénéficient de la formation qui se déroule à Ouagadougou. Reportage Issa Kafando, Issiaka Nana. Cette cérémonie marque le lancement officiel d'une série de formations à l'endroit des femmes sur la fabrication artisanale de savon à base de l'huile de jatropha. Une dizaine de jours durant, ce sont 56 femmes issues de 28 groupements féminins qui seront outillées sur la maîtrise et les itinéraires de production du savon à base de jatropha et de ses sous-produits. Cette formation répond à plusieurs avantages. Savoir permettre d'abord ce qui est primordial à leur niveau, qu'elles puissent quand même connaître les techniques de production du savon et puis produire le savon à base d'huile de jatropha parce que nous visons à la promotion d'huile de jatropha en milieu rural. La formation aura 2 grandes étapes. D'abord, une formation théorique et ensuite une formation pratique où nous allons développer toutes les formes de fabrication de savon à base d'huile de jatropha comme première huile, huile de base, ainsi que les autres huiles qu'on peut trouver au Burkina.
développer des capacités nouvelles pour la transformation de l'huile de Jatropha, tout en contribuant à l'augmentation de sa consommation au niveau local. C'est tout l'enjeu donc de cette formation. Nos attentes, c'est que les femmes du milieu rural puissent savoir déjà quoi faire avec les graines des plantes de Jatropha qui ont été plantées dans leurs localités respectives. Pouvoir donc récolter les graines, presser l'huile et utiliser l'huile pour pouvoir faire du savon. Et ce savon va certainement être vendu par les femmes pour pouvoir donc accroître leurs revenus. Toute chose donc qui va contribuer donc au développement économique des différentes localités. C'est un peu ça que nous visons. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de promotion du Jatropha Kirka comme source de biocarburant au Burkina Faso. Un projet qui bénéficie de l'accompagnement du Fonds pour l'environnement mondial et du programme des Nations Unies pour le développement. Et le Royaume d'Arabie Saoudite, qui a 89 ans, l'événement est célébré hier à Ouagadougou par l'ambassadeur du Royaume au Burkina Faso, autorité nationale, représentant des pays amis et autres personnalités sont conviés à la fête d'anniversaire. Occasion pour l'ambassadeur de saluer les bonnes relations de coopération bilatérale entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Les temps forts de la soirée d'anniversaire avec Maxime Zongo. L'État burkinabé était représenté à cette fête nationale du Royaume saoudien par une forte délégation. Ont également rehaussé la cérémonie par leur présence de nombreux diplomates accrédités au Faso. C'était surtout une occasion pour le docteur Waled Al-Moudi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays, de saluer l'exemplarité des relations entre le Burkina et son pays. Des relations qui se sont renforcées en l'espace de quelques années sous la direction du roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud et son homologue roc Marc-Christian Kabour. Vous avez vu les visites que le président du Faso effectue plusieurs fois donc en Arabie Saoudite. Chaque année, nous envoyons des pèlerins là-bas, notamment plus de 8143 pèlerins que nous envoyons en Arabie Saoudite, sans oublier les actions de développement que nous entreprenons avec l'Arabie Saoudite. Et tout dernièrement, avec les déplacés, l'Arabie Saoudite a fait donc une contribution assez substantielle au niveau du CONASUR et bien d'autres activités que nous menons avec ce pays-là, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau donc du développement économique, des appuis budgétaires, etc. Le Royaume saoudien, qui célèbre cette année le 89e anniversaire de sa fête nationale, est un État souverain qui a été fondé en 1930 par le roi Abdulaziz Ben Abdurrahman Al Saoud. Et puis, nous allons aux États-Unis. C'est l'actualité internationale dans ce journal avec les démocrates qui décident de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. Le président américain est accusé de viol de la Constitution pour avoir essayé de salir Joe Biden. Pour le camp démocrate, le locataire de la Maison-Blanche aurait essayé de déstabiliser son adversaire probable à la prochaine présidentielle de 2020. Tout débute le 25 juillet dernier. Donald Trump s'entretient au téléphone avec son homologue ukrainien. Une conversation durant laquelle le président américain est accusé d'avoir fait pression pour que Volodymyr Zelensky lance une enquête pour corruption contre son potentiel rival dans la présidentielle de 2020, Joe Biden. En échange, Donald Trump aurait promis de dégeler une aide militaire de 400 millions de dollars pour l'Ukraine. Une accusation démenti par le principal intéressé. Je n'ai jamais fait pression sur eux. J'aurais pu et je pense que cela aurait été probablement légal si je l'avais fait, mais ce n'est pas le cas. Si l'accusation est avérée, cela pourrait constituer une violation de la loi fédérale sur la corruption et un cas d'abus de pouvoir. Cette affaire fait d'ailleurs écho à l'enquête sur l'ingérence russe lors de la campagne présidentielle de 2016. Ces révélations ont été faites mi-août par un lanceur d'alerte auprès de l'inspecteur général des services de renseignement. Lui-même en a informé le Congrès un mois plus tard, mais l'administration Trump a alors refusé de transmettre aux parlementaires le contenu du signalement. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump accuse Joe Biden d'avoir demandé le limogeage d'un procureur ukrainien, mais sans avancer la moindre preuve. Selon le locataire de la Maison-Blanche, l'actuel candidat à l'investiture démocrate aurait alors profité de son statut de vice-président des États-Unis pour protéger les affaires de son fils Hunter.
Dernier point de ce journal, la lecture croisée des quotidiens burkinabés et c'est Amadou Marcel Tau qui fait les parutions de ce jour. 74e Assemblée générale de l'ONU, l'organisation est prise en otage par les grandes puissances qui jouissent du droit de veto, estime le journal Le Pays. Pour ce quotidien, la réforme de l'ONU s'impose aujourd'hui comme un impératif catégorique quand on sait que l'Afrique est toujours privée de son droit à un siège permanent au sein de l'instance internationale, surtout qu'elle est considérée aujourd'hui comme le continent de l'avenir, ajoute Le Pays. Le journal Aujourd'hui au Faso en veut pour preuve l'expansion géographique du terrorisme en Afrique qui saura certainement trouver une solution à cette AG. Mais hélas, le refus catégorique d'un Donald Trump qui ne veut pas en entendre parler. Il faudra donc agir avec les moyens de bord, explique le journal. Dans cette même lancée, depuis New York, le président du Faso aurait déclaré avoir donné des instructions pour que le chef de corps du 23e RIC de Dédougou soit limogé selon Sidoya. Ce chef de corps aurait eu des échanges téléphoniques avec les terroristes de Toeni, peut-on lire dans le journal de tous les Burkinabés. Dédougou, le chef de corps relevé de ses fonctions à la demande des soldats, précise le journal Le Pays, qui indique que suite à l'attaque d'une patrouille qui a vu 5 militaires tués, des éléments se sont un peu rebellés contre leur chef et ont demandé qu'il soit relevé. Insécurité toujours, des assaillants ont tué 6 personnes lundi dernier à Zimtanga, commune située à 25 km de Kongoussi, souligne le journal. Recensement général de la population et de l'habitation, l'opération débute le 16 novembre prochain, titre Sidoya. Elle permettra d'avoir une base de données et surtout actualisée, explique mon confrère, contrairement au journal Le Quotidien, qui s'interroge sur le contexte sécuritaire, notamment les attaques terroristes avec des déplacés. Plus de 18 milliards de francs CFA, c'est le coût du 5e recensement qui va durer un mois, insiste l'observateur Palga. Ce quotidien précise que cette opération est couplée à la première phase du recensement général de l'agriculture. Il a pour but d'actualiser et de rendre plus fiables les statistiques agricoles. Des statistiques qui connaîtront une évolution physique avec la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA sous forme de prêt au gouvernement burkinabé. Crise au CDP, réaction des exclus et suspendus. Réaction également du parti. Dans l'Observateur Palga, le premier vice-président du CDP estime que Kadri Désiré Ouédraogo leur a facilité la tâche en démissionnant, pendant que Bourema Badini, démissionnaire aussi, prône le retour de Blaise Compaoré à Zignaré. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis.